mamila aya na reu aneu fakasta ireu firenena ma izaniaka kanakalaza tamitsika izao fety firenena izao amin'ny alalan'ireo masoivo nanome voninahitra sy ireo manatrika etony. Excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion afin d'exprimer au nom du peuple malgache et à mon nom personnel notre profonde gratitude à tous les pays frères et à tous nos amis venus aussi nombreux célébrer avec nous ce 51e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. Mes salutations vont particulièrement à l'endroit des représentants des missions diplomatiques et consulaires, à vous, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et représentants des pays amis qui, au quotidien, partagez les joies et les souffrances de notre peuple. Votre présence en ce jour prouve que votre amitié, votre attachement et votre solidarité envers le peuple de la Grande Île sont sincères. Soyez donc remerciés. Merci de s'y être à tout le monde. Pour le bien de la nation et de son peuple, nous travaillons d'arrache-pied car les Malgaches méritent de vivre dans la paix et dans la sérénité. Tous les acteurs politiques doivent donner une chance à Madagascar d'avancer et de se développer. Nous devrons désormais nous concentrer au travail pour que nos efforts d'aujourd'hui soient la fierté de demain et l'héritage de nos générations. Nous avons une ferme volonté et une détermination inflexible et nous continuerons sur cette voie avec amour, assurance, conviction et solidarité. Pour ma part, je reste conscient que l'avenir de Madagascar est entre nos mains et qu'avec l'aide de tous nos amis et alliés ici présents, nous tournerons résolument et très bientôt la page sur cet épisode sombre que la vie de notre nation est en train de passer. Madagascar peut compter sur vous, tous ici présents, afin de gagner le pari de la démocratie, le pari de l'organisation d'élections crédibles et transparentes, le pari de la paix et de la stabilité, le pari de la lutte contre la pauvreté et de la relance économique. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu constater, c'est la population qui requiert directement et compte vivement sur l'appui de la communauté internationale. Excellences, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.